Comté. Si vous vous appeliez Belle de Jour. Belle de Jour? Comme vous ne venez que l'après-midi. Je veux savoir ton nom. Belle de Jour. Pourquoi la nuit tu n'es pas là? D'où elle sort, celle-là? Qui? Belle de Jour? Oui. Elle a des demandes. Belle de Jour? C'est original. Belle de Jour, c'est le drame d'un divorce, celui de l'âme et de la chair. C'est le conflit entre le plus tendre amour et l'exigence implacable des sens. Veux-tu que je te dise un secret, Séverine? Je t'aime chaque jour davantage. Moi aussi, Pierre. J'ai l'impression que je te comprends mieux, que je me rapproche de toi. Chaque jour, je t'aime davantage, tu sais. Je t'ai jamais vu comme ça. Si seulement... Quoi? Oh, rien. Si seulement un jour, tu m'annonçais une grande nouvelle. Tu as l'air de te plaire avec moi. Beaucoup. Mais ça ne suffit pas. C'est l'autre que tu aimes. Belle de Jour, prise dans l'engrenage, pourra-t-elle vaincre cette force irrésistible qui l'entraîne? Comment revenir de ce voyage sans retour, de cette descente aux enfers? Ne touche pas le visage. Ne touche pas! Allez, mettez ceci, s'il vous plaît. Mais enfin, de quoi s'agit-il? N'ayez aucune appréhension. Vous savez, celles qui vous ont précédé ne demanderaient qu'à revenir. Et pourquoi? Pour de l'argent. Tout bêtement. L'immense majorité des femmes qui se vendent le font hélas pour de l'argent. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment peut-on descendre aussi bas? Pierre. En traitant ce sujet brûlant, le prestigieux Louis Buñuel a réalisé son plus beau film. Je sais qu'un jour il faudra que j'expie pour tout ce que j'ai fait. Mais sans ça, je ne pourrais pas vivre. Après tout, faites ce que vous voulez avec moi. Moi aussi, il me ferait peur, cet homme-là. Des fois, ça peut être pénible, tout de même. Qu'est-ce que tu en sais, Palace?